the shoe on. Yeah, really ain't nothing I could drop that. Précédemment. Salut les gars, après 6 mois d'attente, je suis de retour. Le retour de Dacour, la Romain. Il va vous doubler, ça va très vite. Oh putain! Comment tu crois que Rof est sorti de prison? Samuel Eto'o Junior a payé la caution. On a été obligé de libérer un être qui nous était cher. Il est de retour aujourd'hui. Salut tout le monde, c'est Paul Eto'o, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Monsieur Dacour. Comment ça va, poteau? Ça fait longtemps. Tranquille, Eto'o, ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça dit quoi? Y avait pas de FIFA en prison ou... Non. Ça a pris des pecs un petit peu là. Hein. Beaucoup de muscu, très peu de FIFA, j'ai l'impression. Hein. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir des packs. Dacour, il est là. Manchester, équipe de France, là on est bien, tu vois. On va l'ouvrir des packs et on a 2400 points FIFA. Je sais pas c'est quoi l'équipe de la semaine, mais normalement on va toucher du lourd. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, ça fait plaisir. Je crois en fait avec Dacour on fait une vidéo tous les 6 mois et demi à peu près. Encore. La dernière c'était il y a des packs à 25 000, ça c'est intéressant hein. Ça c'est fort intéressant, on va ouvrir les packs à 25 000, je crois. Vas-y, c'est parti. Faut que tu les ouvres avec les points FIFA par contre. 350. Ouais, ça fait longtemps la dernière vidéo hein, ça fait très longtemps. Par contre, commence par me donner du lourd. C'était en mai, non? Ouais, ça va, ça fait pas très longtemps en mai en fait. Ça fait pas très long. EA Sports, it's in the game. Mais Vlut Erding, l'ancien. Bon, on va le garder, je pense. Erding, il avait quand même une finition encore plus poncée que Cavani. Hein. Cavani, dans ses pires matchs, Erding, il était 10 fois pire. Reste sur toi, dors, réfléchis beaucoup. Tu es le joueur le plus nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Nul. Tu es trop nul. Tactiquement, techniquement, même des choix, je ne sais pas où te mettre. Ça veut dire que tu es nul. Le pack à 25 000, là, je le sens, là. Là, je le sens bien. Je le sens bien. C'est parti. Oh! Lukaku, c'est lourd, il te ressemble. Putain! Tu veux savoir dans quel état je suis quand j'ouvre les packs à 25 000 et j'ai rien? Faut qu'on vous raconte une anecdote. Et un bourbier. Un bourbier énorme. On a un pote, c'est la poisse en personne. Là, je pensais à autre chose, mais vas-y, raconte. Paris-Marseille, match important, classico, vous connaissez. Match important. Il nous dit, ouais, on va regarder le match au grec. On arrive au grec, il n'y a pas Canal. Non. On fait, moi, petit blagueur que je suis là, je suis en train de déguster mon grec. Tu vois, j'avais pas trop faim parce que soir de match, t'as la pression et tout. Et là, je dis en rigolant, putain, ça fait 30 secondes que le match il est parti, tu vas voir Canal il va se couper. Oh, toute petite blague. Là, tout le monde rigole. 30 secondes après, écran noir. Et encore, non. Peut-être 2-3 minutes. Non, ça a tenu longtemps. Ça a tenu. Ça, tu vois le. Quand, on a eu une lueur d'espoir. Le canal des pauvres. Quand tu restes dessus, au cas où il y a un petit bug, t'es pas abonné, peut-être tu vas voir le match. On a eu. On n'était pas paniqué. On voit 3 minutes, ça tourne tranquillement. Et là, écran noir. Plus de match. Alors là, le mec du grec, je crois que personne ne s'est autant retourné vers lui que ce jour-là. Tout le monde s'est retourné vers le mec du grec. Le mec, il bégayait, il disait, oh, je vais acheter Canal. Le mec. Il dit je vais acheter Canal le soir du match, un PSG-OM. Bon là, le match il a commencé depuis au moins 20 minutes. Non même pas, je crois on a vu le match quoi, en streaming sur les téléphones. Ouais, et le mec du grec il venait voir le match sur nos téléphones. Really nigga. Moi j'étais fou, je dis s'il te plaît fais quelque chose. Là le mec c'est pas il s'abonne à Canal et là on touche de la merde. Il se passe rien. Ils disent un petit message sympathique, vous pouvez recevoir votre abonnement dans 24 heures. Il nique ta mère, niquez tous vos mères. C'est un autre truc, une kermesse. Vous savez, c'est quoi une kermesse? Pour les enfants. Bon, nous on est un peu des enfants. On est un peu gourmands. On est un peu gourmands surtout. Parce que tu vois, c'est l'été, et l'été on était en vacances. Donc là, avec on a souvent soif. On est un peu, comme qui dirait, moi d'accord, je l'appelle le chameau. Tu vois, il a souvent soif. Les bouteilles d'oasis de 2 litres, il te les finit en 2-2, tu vois. Et il y a beaucoup de canettes là-bas. Et c'est voilà. Pas très cher. Voilà, là-bas, il y a des canettes pas très chères. Enfin, pas très chères. Donc, je continue sur mon histoire. La kermesse, pendant 3-4 ans, on a fait une petite astuce. C'est-à-dire qu'il y avait une buvette. Je pense qu'on peut appeler ça une buvette. Ouais, une buvette. Ouais, voilà. Et ils vendaient des bouts de papier. Ils vendaient, en fait, des si canettes. Voilà, il y avait des bouts de papier, sandwich, canettes, frites. Nous, d'un coup, il sort son petit billet de 10. Il dit, donnez-moi tous les tickets. Tu vois, tous les tickets. Il y avait même gâteau, il y avait tout. Limite, tu pouvais acheter une meuf en même temps sur le ticket. Carrément. Bref. Béfut,
Il a de l'encre chez lui, tu vois. YouTube Money, ça lui permet d'acheter de l'encre pour l'imprimante. L'imprimante, c'est important. Forcément, on fait quoi? On achète un de chaque et on fait des photocopies. Voilà, on achète un de chaque. Et donc ça a duré... 4 ans. Voilà, la supercherie a duré pendant 3-4 ans. Une année, on va avec notre pote. Non, mais parce que, oui, voilà, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'un pote à nous... On va avec lui cette année. Son blaze commence par un T, il est algérien, mais on ne dira rien. On ne dira rien de plus. Dès qu'on est avec lui, il se passe des couilles, je te jure. Cette année, on va avec lui à la kermesse et on commence à acheter les tickets. C'est pas, on voit, ils sont plastifiés, recto verso. Plastifié, aucune fraude possible. Aucune fraude possible. Là, je t'avoue, on n'était pas bien. Ah, on était mal. On en a acheté qu'un. Finalement, on a acheté qu'un seul ticket. Je te cache pas, on n'était pas bien. Parce que c'est en plus, c'était un soir, on devait tourner des vidéos. Et on s'est dit, on va faire on va faire la provision, tu vois. Il fallait qu'on s'hydrate, tu vois. Voilà, fallait qu'on s'hydrate parce que fallait hydrater les chameaux. Et là, pas de canette, et rien. La désillusion. Là, je vois, il arrive vers moi, il me dit. Il me dit, JP, il y a une couille dans le pâté. Là, il y avait. Je lui ai dit, non, parce qu'en plus, d'un coup, il me dit, non, vas-y, faut pas qu'on y aille avec T, parce que là, ça sent pas bon ouais, ce soir, je le sens pas. En plus, il me dit, ouais, viens, on l'invite, tout ça. Oh, Ricky. Ouais, j'ai voulu inviter et voilà, c'est parti en couille. Et ce même soir-là où il y a PSGOM au grec, c'est justement notre T algérien qui nous a dit « Viens, va au grec, on va regarder PSGOM !» Je lui dis « Non, laisse-moi, nous, on est chez nous, on regarde PSGOM. » On s'est ramené au grec à 20. On est arrivé à 25, honnêtement. Le grec, tu pouvais même plus le fermer tellement il y avait du monde dedans. Bref, voilà, dédicace à notre T algérien s'il regarde cette vidéo. Hein. D'ailleurs, c'est son anniversaire, bon anniversaire à lui. Bon anniversaire au poteau. 18 ans, enfin. T'as ouvert le pack à 25 000, bâtard, je l'ai pas. Bien sûr que j'en ai besoin. Je suis pauvre sur ce but, t'es fou ou quoi? Putain, en plus je l'ai vu ouvrir le pack à 25 000, j'ai dit non, qu'est-ce que tu fais, frérot? Qui aurait cru que Gino Bolgi signerait dans un club comme Chelsea, tu vois? C'est là que tu te dis que tout est possible. C'est là que tu te dis Faubert a bien signé au Real. Voilà, Faubert a signé au Real, donc tu te dis que tout est possible. Moi je te jure. Il est au chômage. Aujourd'hui, j'ai regardé sur Internet. Non, il est à Bordeaux aujourd'hui. Non, il est au chômage. Jeune Renault. Chômage. Arrête, il est au chômage. Arrête, on va vérifier tout de suite. Mais il est du bled. Bye bye. On a touché Thiago Silva. Je pense que c'est tout ce qu'il faut. Non, j'ai touché Thiago Silva. Baby, je vais et je viens. Baby, de plus en plus loin. Je pense qu'il a touché Thiago Silva. C'est tout ce qu'on peut retenir. Péter cette barre de like parce qu'on a touché Thiago Silva. Et parce que. Tu penses que Thiago Silva est plus top que Dakour? Je pense pas. Je pense que Thiago Silva a plus pleuré dans sa vie que Dakour quand même. Non, le but qu'il met à Chelsea, c'est très important. Thiago, c'est là, tu vois. Thiago, c'est l'amour. C'était Paul Etaille Dakour. Portez-vous bien. À la prochaine. À la prochaine. On se retrouve très vite. Si vous le voulez. Si vous le voulez pas. Dans un merdier, dans un cul de sac. Ah ouais, ta chatte, toi ferme ta gueule, toi ferme ta gueule. La vie c'est dur, là les chutes dures. Je coupe la pure, faut faire des ronds, un cœur de hache. Je sais pas, je t'aime pas, tu m'aimes pas.